Bonjour à tous. Le grand jour est arrivé. Lors de notre stage à Genève, nous avons eu l'immense plaisir de rencontrer Benoît Aymon, créateur du magazine Passe-moi les jumelles. Les interviews de ce grand homme de la RTS sont plutôt rares sur Internet, alors profitez-en pour mieux le connaître. À tout à l'heure. Benoît Aymon, bonjour. Salut. Merci beaucoup d'avoir la gentillesse de répondre à nos questions, malgré votre emploi du temps bien chargé. Comment êtes-vous arrivé à la RTS et cela fait combien d'années ? Ouh là, tu me rajeunis d'emblée, toi. Ça fait à peu près trentaine d'années. J'ai commencé par faire l'université à Genève. Et ensuite, j'ai fait les lettres, parce que je savais que je voulais faire ce métier-là. Et après, j'ai fait un concours d'entrée pour arriver à la radio suisse romande à l'époque. Et ça, c'était ce qui est le plus difficile à faire, parce que personne ne te connaît. Et puis, on était, je pense, 300 à peu près pour pouvoir avoir, je crois qu'à l'époque il y avait deux postes de stagiaire. Donc, parce que quand tu fais l'université, tu fais une culture générale. Moi, j'ai fait de l'histoire à l'université, du français, de l'anglais. Mais le métier de journaliste, tu ne l'apprends pas vraiment à l'université. Et donc, tu deviens stagiaire à l'époque pendant 2 ans. J'ai fait mon stage à la radio suisse romande à Lausanne. C'était en je ne sais plus quelle année, dans les années 80. Et j'ai fait 2 ans, puis après, je suis venu à Genève. Parce que là, si tu veux, le téléjournal n'était pas encore né, toutes les deux. Le téléjournal se faisait à Zurich. Je crois que vous allez voir Darius Rochebain. Lui, je crois qu'il n'était pas encore né non plus. Tout le téléjournal pour les romans se faisait à Zurich et tout ça est venu à Genève. Et c'est au moment où c'est venu à Genève, ils avaient besoin de journalistes, et de jeunes journalistes. Et qui dit jeunes journalistes, dit journalistes bon marché. Parce qu'ils te payent moins bien que les vieux comme moi. Et ce qui fait que je suis arrivé comme jeune journaliste ici à la TV, je ne sais plus en quelle année c'était, ça devait être en 82, quelque chose comme ça. Ouais, ça fait 30 ans à peu près. À vos débuts à la télévision, vous aviez la moustache. Est-ce vous qui avez décidé de la couper ou on vous l'a imposée ? J'ai cherché un ordre de Washington pour qu'on la coupe. Non, tu plaisantes. Non, je l'ai coupée, je ne sais même plus pourquoi. Je crois que c'était la fin du TJ. Je l'ai coupé parce que je changeais, puis que j'avais juste marre d'avoir la moustache. Et puis je pense que le seul problème que ça m'a posé, c'est que j'ai deux petites filles qui à l'époque avaient votre âge, et elle m'a pas reconnu tout de suite quand je suis rentré à la maison. Mais ça a été le seul vrai problème de la moustache. Pendant toutes ces années à la RTS, vous avez présenté les 19h30, l'émission Table ouverte, et ensuite en 1993, vous avez été le créateur et présentateur de Passe-moi les jumelles. Comment êtes-vous passé d'un présentateur de studio à un présentateur aventurier ? Le téléjournal, je l'ai fait pendant 3 ans. Pour moi, c'était Darius. Ça fait déjà combien d'années qu'il le fait ? Ça fait déjà beaucoup. Il y a des gens qui adorent faire ça. Moi, c'était une excellente expérience, mais je sentais que ce n'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Parce que quand tu fais le téléjournal, tu es un petit peu coupé hein, à ce niveau-là. On appelle ça un peu un homme tronc. Et c'est évidemment quasiment que du studio. Et je ressentais le besoin de remettre des jambes à ce tronc-là et pour pouvoir sortir et refaire un petit peu ce que j'avais envie de faire fondamentalement, c'est-à-dire justement la découverte, la nature, tout ce qu'on veut. Et quand on a créé Passe-moi les jumelles, parce que l'émission, une télévision, ça ne se fait jamais tout seul, hein, heureusement du reste, on était 3 à créer Passe-moi les jumelles. Il y avait Pierre-Pascal Rossi qui avait aussi fait du téléjournal avant moi. Qui lui était un passionné de pêche, moi j'étais plutôt passionné montagne, et puis on avait un réalisateur qui s'appelait Claude Deliotra, parce que Pierre-Pascal et moi on était les deux journalistes, donc c'était bien d'avoir un réalisateur, quelqu'un qui s'occupe plus de l'image si on veut, pour simplifier un peu le discours, et c'est comme ça qu'on est parti. Mais je me rappelle que le pauvre Claude Deliotra, avant la première émission, il a eu un accident de cheval, il s'est cassé la jambe le pauvre, et il n'a pas pu commencer, il a dû dès le départ être remplacé, il a rejoint l'équipe un peu plus tard. Mais la transition s'est faite tout à fait naturellement, je dirais, il n'y a aucun problème. Au contraire, j'étais content de pouvoir ressortir un peu, quoi. Parce que le téléjournal, c'est par rapport à Passe-moi les jumelles, c'est exactement l'opposé, dans le sens que le téléjournal, tout est à la seconde. Tout va très vite quand tu fais une interview. Je me souviens qu'un des souvenirs que j'ai, c'est que tu posais la première question, les gens qui sont en face de toi sont un petit peu tendus, parce que c'est la première fois qu'ils sont en direct, comme ça, c'est toujours en direct. À la télévision, c'est un peu impressionnant, donc les gens prennent ce qu'on appelle des précautions oratoires, donc c'est un peu tendu. Puis dès qu'on a posé la première question, on a l'assistant de plateau qui fait « hop, il faut couper, on passe à autre chose ». Donc cette espèce de pression du chronomètre constante, au bout d'un moment, j'en ai un peu marre.
Et c'est là qu'on a eu la chance, hein, parce que c'est une très grande chance de pouvoir créer une émission dans une carrière, entre guillemets, de télévision, de pouvoir créer avec Pierre Pascal cette Passe-moi les jumelles, où au contraire, là, on prend le temps de s'installer, de discuter avec les gens. Et on est moins pressé, même si on travaille vite, comme n'importe quelle autre émission, mais malgré tout, au niveau du... on prend plus de temps de rencontrer les gens. Au début de cette aventure, vous étiez en duo avec Pierre-Pascal Rossi, lui aussi ancien présentateur du TJ. Pourquoi faire un duo avec lui et pourquoi est-il parti ? Il est parti parce qu'il est à la retraite. Quel âge il a Pierre-Pascal ? Il est parti à 65 ans. Je pense que Pierre-Pascal, il ne doit pas être loin. Ça fait à peu près 5 ans. Oups, là, ça va tellement vite. Donc il est tout simplement parti à la retraite. Pourquoi avec lui ? C'est parce que les deux, ça tombe au bon moment, si tu veux. Moi, je me rappelle que... il faut toujours un peu de chance dans la vie. Il faut vouloir. C'est clair que si tu veux pas, les choses, elles vont pas te tomber comme ça dessus. Hein. Mais il faut provoquer un petit peu cette chance. Il faut aller la chercher. Et en fait, moi, j'avais cette idée de l'émission. Moi, je la voyais très montagne, si on veut, par rapport à Pierre Pascal, qui était un peu plus pêche. J'ai profité du retour en Suisse de Raymond Vouillamo, qui est devenu directeur des programmes ici en Suisse, qui à l'époque avait quitté la télévision pour aller à Paris pendant quelques années, où il avait dirigé notamment France 3, les programmes à France 3. Et quand il est revenu à Paris, je l'ai un petit peu provoqué et je lui ai dit, dis donc, le Valaisan, parce que comme tu sais, je suis Valaisan et lui aussi l'était. Je lui ai dit, le provoquant un petit peu, juste un scandale qu'on n'ait pas une émission sur la montagne, dans un pays de montagne. Et là, il m'a dit, ah, mais je viens de croiser Pierre Pascal qui aimerait faire une émission sur la pêche. Alors débrouillez-vous. Faites-moi un projet d'émission. Et puis c'est parti comme ça. Et en fait, on a fait un projet d'émission. Je crois qu'on a tapé sur une feuille A4 ce qu'on voulait faire, parce qu'en vrai, on ne savait pas vraiment ce qu'on voulait faire. Mais si ce n'est qu'on avait, je me rappelle qu'on avait une idée, c'est notre, entre guillemets, notre slogan, c'était le plaisir avant la performance. On ne voulait pas faire du sport extrême. C'était l'époque d'Ushuaïa, avec le début de Nicolas Hulot. Ou c'était du sport extrême, ou justement c'était du chronomètre, ce que je voulais justement pas faire, ou c'était des trucs hyper risqués, hyper dangereux, des sauts en parachute, en fait tu en vois là. Et nous au contraire, on disait, on se pose, on se calme, on va tranquillement, et puis c'est comme ça que c'est parti. Passe-moi les jumelles est votre bébé, et malgré ses 18 ans, elle a toujours énormément de succès. Pourtant, depuis le mois de septembre 2011, vous avez décidé de ne plus présenter votre magazine. Pourquoi ? Est-ce parce qu'il a été décidé d'intensifier la diffusion ? Tu as presque la bonne réponse dans ta question. En effet, de toute façon, je pense que c'est un métier, comme tous les métiers du monde, il faut savoir s'arrêter à temps. Et mieux vaut s'arrêter un poil trop tôt qu'un poil trop tard. Et ça faisait déjà une année ou deux que je me disais, bon, il va bien falloir une fois que je passe la main, comme on dit, hein, pour la présentation. Et puis il faut savoir que dans Passe-moi les jumelles, ce n'est pas la présentation, ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant, en tout cas pour moi, c'est de faire des reportages, parce qu'on peut plus aller au fond des choses. Et il se trouve que là, comme la direction nous a demandé de doubler la production, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 9 émissions, maintenant on en fait 18, ça me condamnait à faire que de la présentation. J'aurais plus le temps de faire autre chose que de la présentation. Et c'est pour ça que là, je me suis dit, comme j'avais cette idée-là depuis une année ou deux en tête, je me suis dit, ça c'est l'occasion ou jamais de passer le flambeau. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Parce que d'abord, je suis très heureux de pouvoir... Là, je suis en train d'organiser un grand truc sur le Tour du Cervin qui aura lieu quand on va tourner cet été. Et je trouve que Virginie fait ça très, très bien. Plus jeune, on voulait changer complètement. Donc plus jeune, ça, c'était pas difficile. Une femme, on marque la différence. Elle n'a pas la moustache, que je sache. Et puis, je trouve qu'elle fait ça très bien. Et puis comme ça permet de rajeunir un petit peu tout, parce qu'il y a aussi, il n'y a pas que les présentateurs dans une émission et ceux qu'on voit à l'antenne, il y a tous ceux qui sont derrière, tous ceux qu'on voit jamais. Et c'est toujours difficile à dire, mais disons que derrière Passe-moi les jumelles, à part un petit noyau dur de 4 personnes, pour une émission, il y a quand même à peu près entre 12 et 20 personnes qui travaillent. Et c'est des gens qu'on voit jamais, mais sans ces personnes-là, il n'y aurait juste pas d'émission. Et c'est pour ça que c'est toujours un travail d'équipe en fait. N'avez-vous pas peur que le fait de diffuser l'émission toutes les semaines finisse par lasser les téléspectateurs ? Excellente question. C'est une question qu'il faudrait poser à mon directeur, Gilles Pache. C'est une bonne question parce que nous, on se l'est posé. Parce que comme c'est une émission qui travaille un petit peu sur la rareté des choses... au début, quand on nous dit, c'était une demande, c'est pas nous qui avons dit on aimerait doubler. Alors mieux vaut qu'on nous dise
de doubler l'émission parce qu'on aurait pu nous dire on la supprime. Hein. Ils ont le droit de pouvoir, en tant que directeur, ils ont le droit de faire ça. Alors c'est un vrai challenge de doubler la cadence parce que les sujets ils tombent pas comme ça. C'est pas un robinet qu'on ouvre, fasse-moi les jumelles et puis l'actualité, le téléjournal tous les jours. On pourrait faire, on fait à peu près 35 minutes maintenant, mais on pourrait faire au niveau actualité, on pourrait faire une heure de journal tous les jours. Donc il suffit d'ouvrir le robinet, puis l'eau elle coule. Puis là, c'est très chaude cette eau souvent. Est-ce que passe-moi les jumelles, c'est pas du tout ça. Passe-moi les jumelles, les sujets, il faut aller les chercher. Et donc ça demande du temps, ça demande de la patience et tout. La question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'il y aura assez pour alimenter les tuyaux, si on veut bien. Et pour l'instant, on n'a pas trop de soucis. Moi, je sais ce que je fais jusqu'à la fin de l'année. On n'a pas trop de soucis, mais c'est vrai que c'est une question qu'on s'est posée. Mais on touche aujourd'hui, tu sais, au début de Passe-moi les jumelles, on m'avait dit, oh, tu vas faire une année et au bout d'une année, tu vas t'arrêter parce que tu aurais fait le tour de tous les cantons suisses, tu auras fait 7 émissions, enfin, suisse romand, hein. Et puis tu vas t'arrêter parce que tu ne sauras plus que faire. Et en fait, bah, ça fait 18 ans, maintenant bientôt 19 qu'on tourne. Les sujets, ils ne manquent pas hein, parce que nos émissions, c'est un paysage, c'est une carte postale, mais dans ces cartes postales-là, on fait des rencontres. Et trouver des personnalités, enfin des gens qui sont des fois très modestes, qu'on ne connaît pas, mais qui sont riches, qui ont quelque chose à dire, ça je crois que c'est inépuisable. Ouais. Le fait de ne plus pouvoir présenter l'émission, cette dernière n'est plus tout à fait la même. Avez-vous reçu des courriers de téléspectateurs déçus de votre retraite ? Oui, tu sais, personne n'était remplaçable. Ouais, ça c'est sûr que tout le monde se fait... moi, c'était une volonté de ma part, tu sais, il y a des gens qui adore faire de la télévision pour se montrer à l'antenne. C'est surtout vrai en France, on va dire. Tu as des gens qui se droguent parce qu'il y a en France, il y a tout un système qui fait que toutes les personnes qui passent à la télévision, il y a des journaux entiers qui vivent que de ça. Une espèce de, ça devient des vraies vedettes. En Suisse, heureusement, on est bien à l'abri de tout ça. Donc tu peux garder les pieds sur terre. Et à partir du moment où c'est ta volonté de partir, moi, je n'ai jamais fait de la télévision pour montrer ma tête. C'était un peu comme tu fais la télévision, il faut bien montrer ta tête. Bon, ben, c'est ce qu'on appelle un dégât collatéral. Mais si ce n'est pas ton objectif, le fait de plus la montrer, ça ne pose aucun problème. Et à vrai dire, moi, j'ai très peu. Moi, je ne me suis même pas rendu compte que j'arrêtais de présenter mon émission. C'est juste un petit peu. C'était assez drôle quand j'étais en repérage l'été dernier, justement sur le tour du Cervin que je vais faire, que je vais tourner au mois de juin. J'ai énormément de personnes qui m'arrêtaient et qui me disaient. Alors vous êtes à la retraite et l'émission s'arrête. J'ai dit non, mais d'une part, je ne suis pas à la retraite, j'ai encore quelques années devant moi. Et l'émission ne s'arrête pas, elle continue. Et les gens étaient une espèce de... Ça, c'était assez marrant de croire que tout... C'était vraiment... Alors que les journaux avaient fait correctement leur travail, les journaux, aucun journal n'a dit l'émission s'arrête. Et aucun journal n'a dit Benoît Hamon prend sa retraite. Mais les gens ont entendu ça, si on veut. Donc c'était assez marrant, c'est une manière de répondre à ta question. Est-ce qu'on a reçu le courrier, pas tellement, mais dans la rue, oui, souvent on me le dit, oui. Mais à part ça, encore une fois, Virginie fait très bien son travail. Et puis je crois que les gens l'ont déjà tout à fait adopté. Il n'y a pas de problème. Maintenant que vous n'êtes plus devant la caméra, actuellement, quel est votre travail ? Il faut demander à ma femme. en fait, je continue à produire l'émission. C'est-à-dire, on est trois personnes produire l'émission, c'est-à-dire qu'en gros, on décide ce qu'on veut faire, ce qu'on met dans l'émission. Et puis, on travaille avec cinq ou six autres journalistes ou réalisateurs autour de nous qui soit nous proposent des sujets, soit nous, on leur propose des sujets. Mais les trois, on est responsable d'abord de tenir le budget d'une année. Il faut que ça reste dans... On te donne au début... L'année, une enveloppe financière, on doit respecter cette enveloppe financière. Et puis, on fait ce qu'on appelle l'éditorial, c'est-à-dire justement le choix des sujets. Alors ça fait partie de mon travail. Et puis, mon autre travail, c'est justement être un peu plus sur le terrain. Et ben, pour juste là, je viens de terminer le portrait d'une femme céramiste qui va avoir 80 ans, qui est dans le Jura vaudois. Et c'est un portrait d'une femme, d'une artiste, si on veut. Qui est juste que je vais monter, que je viens de terminer le tournage, je suis en train de monter ça. Et puis le gros truc que je prépare, c'est justement ce fameux tour du Cervin, où c'est 5 fois 26 minutes avec une douzaine de marcheurs. Alors ça, c'est une grosse opération parce qu'on va avoir entre 300 et 400 personnes. Il va falloir faire un casting, ce qu'on appelle un casting, les sélectionner. Après, on va tourner avec trois équipes. C'est une dizaine de jours de marche parce que c'est un très très grand tour autour du Cervin. Trois équipes qui tournent en même temps. Et ensuite, on va monter ça sans doute à Paris.
et on fait 5 fois 26 minutes. On fait ce qu'on appelle un feuilleton documentaire. Et ça, ça va m'occuper, je pense, jusqu'en décembre de cette année. Donc tu vois que c'est pas le travail qui manque. Je suis pas au chômage. Si l'on vous compare à Nicolas Hulot ou Yann Arthus-Bertrand, comment le prenez-vous ? Comme un compliment, parce que je trouve que ce sont des très grands professionnels. La grosse différence entre nous, c'est que pour rester plus sur Nicolas Hulot, que je connais du reste, que j'ai rencontré plusieurs fois, c'est qu'on ne joue pas tout à fait dans la même cour. Il faut savoir que la télévision romande, on a une petite télévision, on a tendance à... On est un peu plus gros que Web TV Neuchâtel, sans doute, mais on est une petite télévision. Si tu veux, quand Nicolas Hulot fait une émission, nous, avec ce même argent-là, on fait une année d'émission. Donc, il y a un rapport de 1 à 10. Alors, quand on me parle de Nicolas Hulot, je dis des fois, je suis un peu jaloux, parce que quand il a 1000 francs, il a 10 000 francs. Quand nous, on a 10 000, il a 100 000. En gros, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on ne joue pas tout à fait dans la même cour. Bon, à part ça, Nicolas Hulot a une évolution dans son émission qui est énorme, hein, justement parce qu'il est parti. Au départ, il faisait ce que précisément on n'aimait pas faire, l'extrême et tous ces trucs-là. Et puis maintenant, il est viré beaucoup plus sur son côté écolo, si on veut bien. Mais donc on est plus proche maintenant sur le fond que qu'on l'était au départ. Mais c'est un grand professionnel, ça c'est sûr. Pour faire une émission comme Passe-moi les jumelles, il faut être amoureux de la nature. Êtes-vous aussi un peu écologiste ? Amoureux de la nature, qui n'est pas amoureux de la nature ? Je pense que tout le monde est amoureux de la nature. Si les gens n'aiment pas la nature, c'est vraiment, il faut me les présenter, parce que tout le monde aime la nature. Il reste à savoir comment on la respecte, cette nature-là. Alors, si c'est être amoureux de la nature, c'est être écolo, oui, je suis écolo. Maintenant, il faut aussi s'entendre par ce que tu entends par écolo. Si y a écolo, c'est un côté politique, il y a des mouvements écologiques que je n'arrive pas à suivre. Mais c'est clair que préserver la nature fait partie de... On a besoin de la nature, c'est évident, on ne peut pas vivre. De toute façon, si les hommes continuent à massacrer notre planète, la nature, elle va reprendre le dessus. Il n'y aura peut-être plus d'hommes sur cette planète, mais la nature, elle va reprendre le dessus. Donc, tôt ou tard, on a besoin de la nature. Alors, où je ne suis pas écolo à fond, c'est que moi, je pense que l'homme a sa place dans la nature et qu'il faut garder la place centrale, et malgré tout qu'on le veuille ou non, elle est tenue par l'homme. Mais comme il a cette place centrale, c'est à lui de respecter la nature. Encore plus, il a une plus grande responsabilité parce que vis-à-vis, justement, de ne serait-ce que des baleines ou n'importe quoi, enfin l'ours blanc, enfin l'ours polaire, tout ça, on a une vraie responsabilité par rapport à la nature. Et à ce niveau-là, oui, je suis écologiste. Mais je ne suis pas écologiste au sens jusqu'au boutiste du terme, quoi. Il y a des gens qui prônent ils sont assez rares, du reste, mais la décroissance. Ah oui, une certaine forme de décroissance, oui, mais pas n'importe quelle décroissance, etc. Donc c'est un problème extrêmement compliqué. Vous êtes né à Sion, donc Valaisan. Comment avez-vous accueilli le vote des Suisses sur l'initiative Weber ? Encore une bonne question, pointue. Je pense que les Valaisans, d'abord, ça me fait toujours rire quand on dit les Valaisans. Parce que moi, je ne sais pas ce que c'est que les Valaisans. C'est vrai que je suis né à Sion, je suis Valaisan, je le revendique sans aucune fierté particulière, je l'assume volontiers, j'aime bien le caractère un peu corse des Valaisans, un caractère qui est un peu trempé dans la montagne. C'est vrai que les douches tièdes ne sont pas très intéressantes, autant avoir une douche chaude qu'une douche froide, mais les douches tièdes ne sont pas très intéressantes. Cela dit, je ne sais pas trop ce que ça veut dire les Valaisans. Si les Valaisans, parce qu'il y a 75% des Valaisans qui ont dit non à cette initiative-là, il ne faut pas oublier qu'il y a 25% des Valaisans qui ont dit oui. Et il ne faut pas oublier qu'il y a de mémoire à peu près 30% encore des Valaisans qui n'ont pas voté. Donc ça fait quand même beaucoup de monde tout ça. Donc quand on dit les Valaisans, je suis toujours un peu dubitatif, comme on dit. Maintenant, cette initiative, il faut voir les choses positivement. Cette initiative, c'est clair qu'elle va faire mal, dans un premier temps, au niveau de ceux qui construisent, au niveau de la construction. C'est clair dans un premier temps, mais il faut dire que peut-être qu'on paye, parce qu'ils sont allés tellement vite et tellement loin. Dans la construction, qu'ils vont devoir payer la facture. Mais à moyen terme, c'est-à-dire relativement rapidement, si la construction va souffrir, elle va donc devoir se réorienter comme dans n'importe quelle crise, le tourisme, d'une manière générale, va y gagner. Puisque précisément, on va essayer quand même, le but, c'est quand même de préserver ce qui est beau. Parce qu'on s'habitue à la laideur. Je crois que c'est Franz Weber qui disait, on s'habitue à la laideur. Il a raison. Et en fait, ce qui est beau, si on n'avait pas eu Franz Weber, ben regarde le Lavaux, par exemple. Eh ben, le Lavaux aurait sans doute été massacré. Donc, il faut positiver les choses et se dire qu'à moyen terme,
plutôt qu'à court terme. À court terme, ça va être dur, ça c'est sûr, parce qu'il y a des réalités économiques qu'on ne peut pas nier. Mais à moyen terme, il faut positiver les choses pour le tourisme et pour le paysage. Parce que le paysage, c'est quand même... C'est pour ça que je suis assez sévère avec les éoliennes, à titre personnel. Parce que le paysage, c'est notre richesse naturelle. Ce qu'on a en Suisse, ça c'est moi qui ai la chance de voyager un petit peu dans le monde, j'ai jamais vu aucun pays où sur un si petit territoire, j'ai jamais vu une telle diversité de paysages. Tu prends le canton de Neuchâtel chez vous, tu prends le Tessin, tu prends le Valais, tu prends Genève. Il y a une diversité de paysages extraordinaire. Et ça, c'est notre richesse. Et il faut absolument qu'on préserve ça. Dans plusieurs numéros de Passe-moi les jumelles, vous avez parlé d'alpinisme et vous avez été ami avec Erhard Loretan. Pourquoi cet amour pour les grimpeurs et la montagne ? Parce que, comme tu sais, donc je suis né en Valais, et puis quand tu es en Valais, la chance que tu as, c'est que les montagnes, elles sont tout près. Et j'ai commencé à... Je ne sais même pas à quel âge à apprendre à skier. J'ai aucun souvenir d'avoir appris à skier. Donc j'ai dû commencer très très jeune avec mes frères, comme ça, tout à fait naturellement. Et puis j'ai dû faire ma première haute route autour de 16 ans. Et puis faire de la montagne, comme ça, relativement tôt. Donc c'était relativement normal pour moi de faire de la montagne. Quand tu vois une montagne, tu as toujours envie d'aller là-haut pour voir ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a d'extraordinaire avec la montagne, c'est exactement comme les livres d'une bibliothèque. Quand tu as lu un livre, tu vois tous ceux que tu n'as pas lus. Et heureusement, ça te laisse toutes ces bonnes choses encore à lire et à faire. En montagne, c'est la même chose. Quand tu arrives au sommet d'une montagne, tu vois toutes celles que tu n'as pas faites. Donc c'est inépuisable comme ressource. Et puis Rart, c'est un peu c'est un peu le hasard de la profession. C'est un peu le privilège de cette profession-là. C'est que ton métier consiste à aller voir les gens. Et puis évidemment, comme tout le monde, j'avais entendu parler d'Erhard, et c'était tout au début de Passe-moi les jumelles. Je crois qu'il a fait son 14e 8000 en 95, et Passe-moi les jumelles, c'est en 93, début de l'émission, donc tu vois, assez vite. Évidemment, 14 8000, c'est comme ça que je l'ai connu, si on veut. Puis après, c'est devenu assez vite un ami, et on a fait un peu de montagne ensemble, enfin, dans l'émission notamment, on a fait un peu de... Et puis comme ça, je l'ai revu régulièrement. Et je crois que c'est la seule personne qui est passée 5 fois dans Passe-moi les jumelles. C'est tout à fait exceptionnel. La plupart des... 95%, même plus, 98% des gens qui passent les jumelles passent une fois Passe-moi les jumelles. Mais c'est extrêmement rare. Là, on va faire un truc... c'est Virginie Jurès qui va faire ce sujet avec Didier Berthaud, qui était un guide de montagne qui est devenu prêtre, par exemple, qui est en train de devenir prêtre. Alors, de temps en temps, on va revoir des gens comme ça quelques années après, parce que justement, de très très fort alpiniste, grimpeur, il est devenu prêtre. Donc c'est intéressant de voir pourquoi un personnage comme ça change. Mais Erhard, c'était tout à fait exceptionnel de le revoir aussi longtemps. Et puis la dernière fois que je l'avais vu, c'était pour faire le portrait d'un de ses amis, en fait, qui était André Georges. Et puis comme je savais qu'André Georges ne parlait pas beaucoup, les montagnards, souvent, ils ne parlent pas beaucoup, on appelle ça des taiseux. Eh bien, j'avais dit à Erhard, écoute, viens, puisque vous êtes potes tous les deux, viens, puis comme ça. Et puis il se trouve qu'on a fait ça, le hasard a voulu que c'était à peu près 1 ou 2 mois avant sa mort. Et puis qu'on avait fait d'assez longues interviews ensemble, on était à la cabane des Aiguilles Rouges en Valais. Et le hasard ou l'intuition, je ne sais pas, fait que ces interviews-là, je les ai gardées. Alors que normalement, ce qu'on appelle des rushs, c'est-à-dire ce qu'on ne diffuse pas, c'est ce qu'on appelle des rushs, normalement on les efface. Et ça, je les ai gardés. Et tout d'un coup, là, je me suis rendu compte que tout ça prenait une autre dimension, si on veut. Tout d'un coup, il y avait une espèce de richesse dans ces interviews. Ce qui fait qu'on a refait justement tout derrière une émission qui vient de repasser du reste à l'antenne. En plus de votre activité à la RTS, vous êtes aussi écrivain. Vous avez publié 3 livres. Passe-moi les jumelles, les coulisses, La patrouille des glaciers, une légende alpine et Accident de lumière. Comment vous êtes venu l'envie d'écrire ? Je crois qu'il en manque un 4e, j'ai dû en faire 4, mais c'est pas grave. Alors d'abord, je suis pas écrivain, parce que j'ai trop de respect. Moi, j'aime beaucoup lire. Ça, c'est aussi une des grandes différences entre le téléjournal et ce que je fais maintenant. Quand tu fais le téléjournal, tu dois être au courant de presque tout ce qui se passe. Donc tu passes ta journée et même tes vacances à lire, mais plutôt des livres en rapport avec l'actualité. Tu dois beaucoup lire les journaux, mais beaucoup en rapport avec l'actualité, des analyses, des essais, etc. Avec Passe-moi les jumelles, j'ai pu retrouver, comme j'avais fait les lettres à l'Uni, j'ai commencé à vraiment aimer lire à l'université. Du reste, quand j'avais votre âge, j'aimais pas trop lire, rassurez-vous. j'ai retrouvé le plaisir de la lecture à l'université, et justement en refaisant Passe-moi les jumelles. Donc j'ai trop de respect pour les gens qui vivent de ça,
pour savoir ce que c'est qu'un écrivain. Parce qu'écrire, quand tu fais que ça, c'est un travail énorme, c'est une discipline énorme. Donc c'est plutôt des ouvrages, enfin, des livres que j'ai faits, mais pour le plaisir. Et la photo, parce que j'aime beaucoup la photographie aussi, parce que évidemment, si tu fais la télévision et que tu n'aimes pas la photo, c'est que ça, y a un petit souci. Et puis j'ai toujours essayé de faire des images avec mes propres photos et des textes comme ça qui allaient un peu en relation avec mes photos. Mais c'est vraiment pour le plaisir, parce que c'est vrai que quand tu travailles dans la télévision, tu travailles dans l'éphémère, tu travailles dans les ondes hertziennes, hein, comme ça passe. Tandis que le livre, c'est quelque chose que tu peux toucher, que tu peux palper, que tu gardes, tu peux replonger dedans quand tu veux. Donc c'était une manière de faire un grand écart entre le côté éphémère de la télévision et le côté impalpable, si on veut, et puis le côté palpable de l'écriture. Mais c'est vrai que c'est un plaisir d'écrire, ça c'est sûr. Quel était le nom du quatrième livre? Si je me souviens bien, c'est celui qu'on a fait pour les 15 ans, ça s'appelait Regard en coin. Tout ça parce que, si tu veux, ça dit bien, entre guillemets, la philosophie de l'émission, c'est que les choses, il faut les regarder un petit peu de travers. Si tu les regardes vraiment en face, bah, tu les regardes comme tout le monde, en définitive. C'est-à-dire que notre métier, c'est de dire, bah, voilà ce que vous voyez tous les jours, regardez là, si je vous montre le regard un petit peu en coin, vous allez voir autre chose. Et c'est ça, du reste. Quand on fait Passe-moi les jumelles, ce que les gens remarquent, c'est qu'on parle de la Suisse, à 80% de nos émissions se font en Suisse, et les gens nous disent « Ah, j'avais jamais vu la Suisse comme ça ». J'ai fait des portraits de villes, comme la ville de Sion, qui était ma ville natale, et j'ai eu des tas de Sédunois, donc des gens qui vivent à Sion, qui me disent « Mais j'ai jamais vu ma ville comme ça ». C'est parce que précisément, on a un regard en coin. On essaye de voir avec un œil un peu plus aiguisé, on va dire, que les autres. Parmi tous les endroits où vous êtes rendu, lequel avez-vous préféré? Ah, c'est une question très difficile aussi. C'est difficile à dire parce que, en général, c'est comme quand on demande si tu as plusieurs enfants, lequel tu préfères. Mais disons qu'on a un des derniers que j'ai fait, là je parle de l'étranger, le Mustang, qui est une des vallées au Népal. Ça, c'est vraiment une des très très belles vallées que j'ai pu voir parce que c'est des vallées qui sont fermées, il faut beaucoup marcher pour y aller. Donc ça sélectionne entre guillemets les gens qui y vont, mais ça reste d'une beauté assez étonnante. Puis les gens, bon, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que un endroit pour qu'il soit beau, il faut qu'il soit bien habité aussi. Si c'est très très beau puis qu'il n'y a personne, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais même dans le désert, comme ça, tout d'un coup, tu croises quelqu'un. Et c'est Saint-Exupéry, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà lu du Saint-Exupéry qui croise des gens dans le désert. Et puis il y a une très belle histoire de Saint-Exupéry où lui, il tombe en panne avec son avion, il arrive dans le désert. Et puis il essaye de réparer son avion, puis il voit arriver ce qu'on appelle une méharée, c'est-à-dire une caravane avec des chameaux et puis des Touaregs, si on veut bien. Et puis Saint-Exupéry demande, mais vous savez combien de temps que vous voyagez dans le désert? Puis lui, il dit, oh, nous, ça fait 3 semaines, 3 mois qu'on est parti. Et puis Saint-Exupéry dit, oh, moi, ça fait 3 heures seulement que je vole. Et puis je viens du même endroit que vous. Et le Touareg lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait de tout le temps que tu as gagné? C'est une jolie histoire, hein, à méditer. Notre web TV a pour thème l'environnement et l'astronomie. Si vous êtes d'accord, j'aimerais vous poser. Nous aimerions vous poser quelques questions sur ces deux sujets. À Neuchâtel, nous avons la taxe au sac. Qu'en pensez-vous? Ah ben, je pense que c'est une excellente initiative parce que l'environnement, il faut bien se dire que tout le monde se dit, quand on parle du réchauffement de la planète, tout ça, oh, mais ça ne dépend pas de nous, etc. Non, c'est pas vrai, ça dépend de tout le monde. Si tout le monde fait quelque chose, on va faire avancer les choses. Et c'est vrai que taxer les poubelles, c'est très symbolique parce que chaque fois que tu jettes quelque chose, ben, tout d'un coup, tu réfléchis. Est-ce que je dois vraiment le jeter? Est-ce que je le jette au bon endroit, etc., etc. Donc, c'est très bien de dire aux gens, oui, vous pouvez faire quelque chose. Et ce n'est pas que des décisions gouvernementales, ce n'est pas que des trucs comme ça. C'est vrai, éteindre sa lumière et tout ça, l'eau qui coule et tous ces machins-là, c'est des petits gestes. Et si on accumule ces milliers de ces millions pour finir de petits gestes, eh ben, on fera avancer les choses, et je pense que c'est une manière de conscientiser les gens. J'aime pas trop cette expression, mais c'est un moyen de le faire. Ouais, je trouve que c'est très bien. Quel est votre animal préféré? Le chocard. Le chocard, c'est qu'on appelle chouka. Son vrai nom, c'est le chocard, mais nous, on l'appelle chouka. Quand tu fais de la montagne, c'est un petit animal, c'est un petit oiseau. Qui a un bec jaune et des pattes corail, c'est-à-dire orange-rouge comme ça, qui volent merveilleusement bien et qui accompagnent toujours les alpinistes. Et c'est clair que d'une manière ou d'une autre, enfin moi j'adore les oiseaux,
Si un jour, comme je vais pas mal au Népal et tout, que je vais commencer par finir par croire en la réincarnation, j'aimerais bien me réincarner en grand corbeau, en aigle ou en chocard. L'ours est à nos portes. Quel est votre avis sur cet animal? Êtes-vous pour qu'on les laisse en paix ou faut-il les tuer? Ça c'est une vague question. Hein. Et évidemment qu'il ne faut pas les tuer. Faut pas confondre, pour parler du loup, qui est un problème un peu plus pointu que l'ours, hein, parce que l'ours à nos portes, je pense que ce n'est pas tout à fait exact. Mais le loup, ça reste dans la même thématique, mais ça me semble plus intéressant. Le loup, il n'a pas été réintroduit. Le loup, il revient tout seul. On ne lui demande pas son avis. Ça, c'était un mythe des années 80-90 où on se disait, ouais, les écolos, pour reparler des écolos tout à l'heure, ont réintroduit le loup avec leur fameux 4x4. C'est vrai, le loup, il revient tout seul. Alors, c'est vrai que c'est un problème très complexe parce qu'il faut comprendre. Parce que moi, je connais les gars qui sont en montagne, les bergers qui sont en montagne avec leurs moutons. Il faut comprendre leur vie. Il faut donc leur donner les moyens aussi de il faut que le loup trouve sa place. Donc c'est toujours la même chose entre les écolos, on va simplifier un petit peu, intégristes qui disent ne touchons pas au loup, et puis dans l'autre côté les moutonniers qui disent on veut pas, enfin les moutonniers ou ceux qui disent on ne veut pas de loup, on va leur tirer dessus. Il y a sûrement un juste milieu à trouver. Et trouver en sorte, mais il faut comprendre le problème de tout le monde, et notamment des gens qui gardent des moutons. Tu sais, des moutons, même si on te dit oui, mais bon, ils se les font rembourser par des assurances et tout, les gens, ils n'ont pas envie de travailler, d'élever des moutons pour qu'ils se fassent bouffer par des loups. Ça, il faut comprendre ça. Donc, c'est un problème très complexe, mais qui met bien le doigt sur nos valeurs fondamentales de la société. Qu'est-ce qu'on accepte de la nature? Il y a toujours un prix à payer pour tout. Rien n'est gratuit sur cette terre. Vous êtes pour ou contre les éoliennes? Je suis contre l'utilisation abusive des éoliennes. Je suis pour une utilisation plus que symbolique, mais aux bons endroits. Par exemple, à Martigny, quand tu es à Martigny, de toute façon, il y a déjà tellement de pylônes électriques. Et puis, dans cette région-là, qu'il y ait une ou deux éoliennes de plus, pourquoi pas? Qu'il y ait une ou deux éoliennes dans le Jura, pourquoi pas? Qu'il y en ait une au Nufnen, pourquoi pas? Elle est même magnifique, celle de Nufnen, dans le canton du Valais. En revanche, je suis contre l'utilisation extensive des éoliennes. Parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, le paysage fait partie de notre richesse. Et il y a une disproportion entre le nombre d'éoliennes, on parle de 300-350 éoliennes sur le plateau suisse, il y a une disproportion entre l'impact au paysage et le rendement énergétique. C'est pas raisonnable. C'est pas possible. Les éoliennes, même si actuellement l'électricité produite par les éoliennes en Suisse, c'est moins de 1%. Moins de 1%. Et si on voulait en mettre 300, on arriverait, en étant très optimiste, à 5%. Alors avant de vouloir gagner ce 4,5% avec 300 éoliennes qui massacreraient le paysage, on ferait mieux de commencer par faire des économies. Non pas des économies pour serrer la ceinture, mais simplement de dire arrêtons de jeter l'électricité par la fenêtre. Donc de lutter contre le gaspillage. Les Japonais, ils ont fermé presque toutes leurs centrales nucléaires. Et ils n'avaient pas le choix, ils étaient le dos au mur, hein, puisqu'il y avait Fukushima. Mais ils ont réussi à le faire. Donc sans aller jusque-là, si on arrêtait de jeter l'électricité par les fenêtres, on pourrait fermer du jour au lendemain une centrale nucléaire comme celle de Mühleberg. Donc avant de construire des éoliennes partout, on va réfléchir un tout petit peu. Quels sont les gestes que vous faites au quotidien pour préserver l'environnement? Je me rase un jour sur deux. Non. mais c'est ce que je disais. Tout le monde peut faire au quotidien des choses, ça c'est vrai. Je fais très attention. Là je viens de doubler toutes mes fenêtres dans une petite maison. Chacun peut faire des trucs. Je suis en changer toutes mes lampes chez moi. Tout est OLED. Ça coûte un peu plus cher au niveau de l'achat des ampoules et tout ça, mais maintenant on commence à avoir des ampoules LED qui sont pas trop froides, un peu plus chaudes, et je vais diviser ma consommation électrique par 3 ou 4. Donc on peut tous faire des... Et chaque fois que tu achètes quelque chose, chaque fois que... Moi je me pose la question, quel est l'impact économique et énergétique. Là, j'ai changé de voiture, il y a 2-3 ans maintenant déjà, parce que je ne suis pas exemplaire, et là, je dois avoir une voiture de temps en temps et je m'en sers, même si j'adore aller en train, c'est ce que je fais le plus souvent quand je peux. Mais la première des choses que j'ai faites, la seule chose qui m'intéresse, la chose prioritaire, on va dire, c'est qu'est-ce que je consomme. Je veux consommer le moins possible.
Et je me rappelle que j'ai dit au garagiste, je veux la plus petite possible, qui me disait, non, mais monsieur, moi, c'est pas sérieux, elle fait que 1,2 litre, cette voiture, donc au niveau cylindré. Et il trouvait que pour un homme, c'était pas sérieux. Je dis, non, je veux la plus petite possible. C'est ça qui m'intéresse. Donc, si tout le monde fait attention à ça, ce que je fais aussi, c'est que moi, sur l'autoroute, je roule à 100 à l'heure. Quand je suis pressé, je vais à 110. Parce que des fois, là, je suis pressé. Mais donc, je roule peinard. Cool. Donc, si tout le monde est entre 120 et 100, 110, tu as au moins 10% d'économie d'essence. C'est énorme, 10%. C'est énorme. Donc, tu vois que si chacun fait quelque chose, eh ben, on va avoir il y a pour finir un gros impact collectif. Est-ce que l'astronomie vous intéresse? C'est marrant parce que, comme je disais tout à l'heure, je crois de plus en plus en deuxième vie, troisième, quatrième vie, hein, le cycle des réincarnations des bouddhistes. Je pense que c'est un des métiers que j'aurais pu faire. Parce que l'astronomie a un côté à la fois que j'aime beaucoup, qui est la rigueur scientifique, mais ça aussi, et en même temps là, le côté poétique. Parce que l'astronomie te fait rêver, et la notion d'espace-temps est quelque chose de fondamental. Donc c'est vraiment un truc qui me fait rêver, ouais, vraiment. Il faut encourager les jeunes à le faire, du reste. Êtes-vous déjà allé visiter un observatoire? Oui, j'ai eu la chance je sais plus maintenant, je crois que c'était entre l'ETJ et parce que les jumelles, enfin peu importe, j'ai travaillé pendant quelques années à une émission qui s'appelait Télescope, qui porte bien son nom, hein, puisqu'on parlait d'astronomie. Et puis je m'étais à l'époque pas mal intéressé, comme j'ai fait pas mal d'aviation, du vol à voile, quand j'étais plus jeune, d'aviation et tout ça, je m'étais pas mal intéressé à tout ce qui était navette spatiale, puisque la navette spatiale, c'est un planeur, c'est un mauvais planeur, mais c'est un planeur quand même. Et j'étais en Guyane, j'étais allé voir les lancements pas d'une navette, mais d'une fusée Ariane, avec des satellites météorologiques, etc. Donc, je me suis beaucoup intéressé à ça. Mais à part ça, il n'y a pas besoin d'aller forcément à l'autre bout de la planète pour voir des observatoires. Hein. On peut aller à Saint-Luc, par exemple, qui est un petit observatoire qui est ouvert au public, qui est très sympa. Et du reste, on vient de tourner une petite séquence là-dessus, qui sera diffusée, je ne sais pas trop quand, l'hiver prochain, je pense. Mais c'est clair, moi j'adore la dimension c'est la porte ouverte sur le ciel. Il y a une autre, on parlait de Hulot et Yann Arthus Bertrand. Il y a une autre émission que j'aime beaucoup qui s'appelle Des racines et des ailes. Et moi, je pense qu'il faut en Suisse avoir des racines. Il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Ça, c'est bien clair. Seulement, il y en a qui parlent que de leurs racines en Suisse et qui se battent que pour leurs racines. Mais moi, je pense qu'il faut jamais oublier les ailes. C'est bien qu'il faut avoir des racines, mais il faut aussi avoir des ailes. C'est-à-dire qu'il faut aussi regarder devant soi. Il faut aussi regarder les autres. Et quand tu regardes les autres, tu apprends à les connaître. Tu apprends à plus avoir peur d'eux. Et c'est ça, comme ça que tu aimes les gens, c'est quand tu n'as plus peur d'eux. Mais quand tu as peur de l'étranger, quand tu ne les connais pas. Hein. Connaissez-vous des noms de nébuleuses ou de galaxies? Oui, bien sûr. Mais alors, je suis très mauvais. Centaure et compagnie, je connais, mais que de manière, alors, au niveau des noms. Mais quand je regarde le ciel, j'ai toujours beaucoup de peine à savoir où je suis. À part l'étoile du berger, celle qui n'est pas une étoile. Hein, si je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que Vénus, c'est une planète et pas une étoile, contrairement à ce qu'on croit. Mais je la trouve très symbolique parce que c'est celle qui se lève le plus tôt et celle qui se couche le plus tard. C'est ce qu'on devrait faire. Et du reste, quand on tourne des passements les jumelles, c'est ce qu'on fait souvent, c'est que on se couche tard parce que c'est là que les lumières sont les plus belles et on se lève tôt, c'est aussi là que les lumières sont les plus belles. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette interview. Nous vous remercions de votre gentillesse et nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi. Merci à vous. Voilà, nous espérons que vous en savez un peu plus sur ce grand monsieur qu'est Benoît Hamon. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain où vous pourrez découvrir l'interview d'Esther Mamarbashi, présentatrice et productrice éditoriale de l'émission Infrarouge. Bonne semaine et à mardi prochain!